Jacques a dit, c'est tout. Mais on peut pas en dire plus. C'est pour l'instant stop secret. On avait donc plusieurs choix à faire, dans lequel en fait on se plaçait le mieux entre la famille, les amis. Ensuite, on est attaché à des scotch par couleur. Et donc la famille c'était le scotch vert et les amis c'était le scotch orange. On avait, on va dire, un animateur qui nous disait donc de faire certains gestes, donc de suivre une telle ou une autre personne. Il nous disait, Jacques a dit, sauter, bouger, etc. Et à la fin, ça devait faire quelque chose en fait. Des liens se sont créés, d'autres se sont déchirés. Et il y en a certains où ça a cassé plusieurs fois, comme d'autres où ça n'a jamais cassé. Jacques a dit. Moi j'avais choisi donc la famille. Parce que je trouve que c'est le lien le plus fort pour moi. Bah la famille c'est important, je sais pas. Du coup j'ai choisi la famille quoi. Le détail c'était famille et amis, apparemment les amis sont plus que la famille. Ben pour moi, une amitié, c'est sacré. C'est de la plus petite enfance et ça dure toujours. Je fais confiance envers mes amis et j'en ai eu la preuve. Mes liens d'amitié n'ont pas cédé. J'en ai même rafistolé à la va-vite et ça n'a même pas cédé. Tandis que d'autres qui rafistolaient correctement les liens familiaux, ben ça faisait que casser. Fais gaffe au lien! Non mais on refait le nœud. Oui, d'accord. Tu peux garder les yeux fermés, c'est pas ça que... Moi je trouve que c'est mieux que le lien soit resté intact parce que ça fait comme si en fait il y aurait eu un problème dans la famille, des choses comme ça. Donc moi personnellement je suis content qu'il n'ait pas cassé. Je suis fier qu'il soit pas cassé après. Voilà. Par le fil fer du destin. J'ai rafistolé quelqu'un qui avait choisi le même lien que moi, mais qui a cassé, qui a fait plus personne à rattacher. Je le rattache à moi bah, très vite en faisant juste un tour et ça a tenu jusqu'à la fin.
Soudan avait choisi famille, il y en a plein d'autres qui avaient choisi amis, mais famille, c'est pas très solide. Moi je sens que ça va pas coller. Hein. C'est bizarre parce qu'il y en a qui portaient dans un sens, il y en a dans l'autre. J'avais dit de l'ébranler. J'avais dit, suivez le mouvement ressenti. J'avais dit, essayez de retrouver vos positions. Oh. J'avais dit, tournez autour de Dylan, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Jagadi, toujours les yeux fermés, tendez les bras en avant. Oh. Oh. Quoi ça? Oh, mon dos. Ah, excusez. Ben, en général, oui, j'avais les yeux fermés, mais ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois d'un petit peu les ouvrir et de les refermer aussitôt pour un peu me situer où j'étais et savoir un petit peu la situation. Quand il nous disait de fermer les yeux, ben on les ferme pas, il fallait les laisser ouverts parce que sinon ça allait plus où on allait. Voilà, du coup, des fois on les fermait, des fois, mais pas longtemps. C'était compliqué, y a trop de monde, trop compliqué. Il fallait les laisser ouverts parce que sinon on tombait. C'est toute une question de confiance, il faut faire confiance à l'autre. Et justement, bah, du coup, en faisant confiance à l'autre, il voit qu'on lui fait confiance, donc quelque part, il peut aussi nous faire confiance pour le mener lui aussi. En fait, si je bouge, tu me suis. Rattaché à moi. Là. En fait, c'est pas nous qui décidait de comment où on allait, tout ça, c'est à s'organiser avec tout le groupe en fait. On doit faire confiance parce que c'est pas nous qui décidons où on va aller, on doit suivre en fait où tout le monde va et on sait pas où on va en fait où on va se retrouver. C'est la première fois que j'ai fait ça donc c'est ça m'a fait un truc. Je sais pas, ça m'a fait comment dire. Je sais pas, j'ai bien aimé. Il n'y a pas de mots.